Nous sommes bien à Angers, au Collège Chevreul, et nous allons étudier la loi d'Ohm grâce au montage suivant. Un générateur sur lequel on parle de la borne plus pour rejoindre un ampèremètre qui est sur le calibre 200 mA. On ressort par la borne com vers la résistance et on ferme le circuit en partant de l'autre côté de la résistance et en allant vers la borne moins du générateur. Aux bornes de la résistance, on branche un voltmètre qui est actuellement sur le calibre 20 volts. La borne com du côté de la borne moins du générateur pour avoir des valeurs positives. Alors, 0 mA et 0 volts, c'est facile à mesurer. Maintenant, on va commencer la série de mesures. Ici, on peut lire 3 volts et environ 19,8 mA. 4,47 volts, c'est la tension aux bornes de la résistance, et 29,4 mA, l'intensité du courant qui circule, etc., etc. Ça commence à chauffer. On va arrêter tout ça.